Aujourd'hui en vrac, je suis avec Cyril et Thomas. Bouge un peu, Cyril. Thomas. Oh mais non. Ils sont encore là, eux. Bah oui, ils sont toujours là. Et oui, donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec un énergumène au t-shirt rose à la caméra, mais qui est rouge en fait, ou alors qu'un peu délavé. Je dirais un petit peu saumon. Je suis un peu perturbé parce que Thomas a du soit de la graisse du lentilier sur le nez. Ah, c'est de la poudre. Cet énergumène donc Boisdin, ici présent de la chaîne du même nom, est graphiste et illustrateur. Alors, que me vaut le grand plaisir et l'honneur ineffable de ta visite ? Si Boisdin est là, c'est parce qu'il va nous aider à vous révéler le classement des super vilains. Votre classement, puisqu'il s'agit d'un vote de votre part. Donc inutile de préciser qu'on ne connaît pas le classement et que par conséquent, nous ne sommes en aucun cas responsables de ce top. Et donc du coup, on a les réponses qui se trouvent dans ces petits bouts de papier. Je vais voir à travers. Mais je vais pas tricher. Ouh, le petit coquin. Donc Boisdin va piocher au hasard l'un de ses personnages, le dessiner, et nous, on va devoir le deviner le plus rapidement possible. C'est comme un Pictionary, quoi. La ferme. Le but, c'est pas que je dessine vite. Je peux et je dois les faire galérer. Voilà. Et vous faire galérer aussi. Sinon, c'est pas drôle. Et c'est parti pour le numéro 1. Le top 10 des plus grands méchants dans les films, séries, dessins animés, BD, fiction, tout genre, selon vous, saurez-vous les reconnaître avec un super dessin? On va voir ça tout de suite. Ok. 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 Pour l'instant ça va, on dirait. Tu parles trop, Ça va. Mais je viens, fais-le. Alors ça, c'est un truc pour déboucher les toilettes. Quoi? Non. On peut dire des trucs, mais j'ai 10 secondes sans avoir le droit de redire autre chose. Jules César. Pas du tout. Je fais exprès de faire de la merde, là. Pour l'instant vous comprenez rien à ce que c'est. C'est le joueur du grenier. Je dessine sans créer, sans croquis. C'est vrai. On est pro ou on ne l'est pas. C'est un mec qui a des yeux. C'est un violeur. Geoffrey, de Game of Thrones. Oui. Attends, comment t'as fait? J'étais pas à la couronne, j'ai juste fait un mec avec des yeux défoncés. T'as l'air de pas. Bon, attends, je finis. Et comment t'as fait? En plus, c'était moche. C'est à cause des yeux, parce qu'il quand il a les yeux défoncés. Ouais, quand il meurt d'une conjonctivite. Les yeux défoncés, ouais, quand il meurt d'une conjonctivite. Conjonctivite, mon cul. Exactement. Oh, le spoil. You can't. Donc, Geoffrey, le Game of Thrones, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, est placé en 9ème position. Non. Écoute, on peut s'arranger, tu vois, je pourrais te... Le Joker. Mais t'as vu que même si tu décides... Mais arrêtez. T'es d'accord que si c'était le Joker, ça va aider? Moi, je sais pas où jouer. Hein. Mais t'y vas. Mais j'y vais. J'y vais certainement. Ça, c'est... Et je fonce. Et je colorie. Tu veux user toutes les... Bah déjà, il n'y en a plus d'encre. Changement de cartouche. Ah non, wow. C'est de toute beauté. Est-ce que c'est des cheveux? Non, on doit pas avoir des questions. J'ai pas le droit, ouais, t'as pas le droit de... T'as pas le droit de parler déjà, hein. Je sais même pas comment. Quoi? Rien. Non, c'est qui les... Scar. Bah oui. Bras. En fait, non, c'est parce que je pensais que c'était les yeux encore. Quoi? Je patauge dans la bécilité. Et voilà, Scar arrive en 5ème position. Scar qui, rappelons-le, a tout de même tué son frère. Mufasa. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de commentaires mentionnant le fait que ce soit inacceptable de tuer son frère. Oui. D'ailleurs, avec ton frère, comment ça va? Mon frère, il est pas là. Et oui, il devait être présent. La vache, bonjour le bain de sang. Bah justement, on parlait de... Qu'est-ce que t'as fait, petit? Vous êtes prêts, là? Je vais essayer d'aller vite. Oui, je sifflote aussi, c'est un don. Dark Vador! Pas du tout. Hannibal Lecter. Tout à fait! Il est bon! Merci. Il est bon! T'es un extraterrestre avec des yeux. Ah mais là, on reconnaît le masque. Oui, c'est là. Le masque, pardon. Voilà, je fais des points, et puis je lui fais une oreille. Bon, il est vieux, il a plein de rides, comme ça. Voilà, il a des petits yeux en... Voilà. Des petits yeux pleins de mauvaise foi.
Pas mal. Voilà, c'est Hannibal Lecter. Ah ouais, putain, j'ai l'impression d'avoir en face de moi. Des fèves au beurre avec ? Des fèves au beurre avec le cerveau. Je sais plus c'est quoi la phrase qui dit... Un excellent chunky. Et notre cannibale préféré arrive en quatrième position. Ah ! Il n'y a pas un arbre qui est méchant. Quoi ? Il n'y a pas d'arbre. Oui, moi aussi j'ai pensé à un arbre, c'est marrant. C'est Groot. Groot ! Voilà. C'est pour après. C'est pour après. Attends, je vois ce que c'est, Vol de mort. Quoi ? Mais j'ai même pas fait attention. Non ! Belle ! Je voulais faire la main avec la baguette et puis la tête après. Il a eu le temps de... Il est le mec, il a eu le temps d'essayer trois traits. Le talent n'est pas reconnu. C'est votre porte-photo. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh. Ça oui, c'est du bon travail. Et celui dont je ne prononcerai jamais le nom arrive en troisième position. C'est un fantôme. Arrête d'essayer de tricher. Gasper. Le Joker. Pas du tout. De toute façon, quoi, il sait pas. Le Joker. Oui, le Joker. Gargamel. Non. En fait, vraiment, pour être franc, là, je sais, je dessine une tête au pif, complètement. Louis de Funès. Je vais mettre des indices, Le tueur au puzzle. Vous en faites pas. Toujours César. Pas du tout. Le gros mono. Voilà, quoi ? Non. Ah ouais, pas con. Dieu. C'est papa. Non, regardez-moi, mes enfants, et voyez-moi. Bénis soyez-vous, mes enfants. C'est ça, Dieu ? La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Allez, l'élément qui va vous faire trouver. Là, faut bien regarder, les gars. Oui, on regarde, on fait que ça. Ah, Docteur Who, le méchant. Donc j'ai un demi-point. C'est pas Docteur Who, non. C'est pas Docteur Who le méchant. C'est le méchant qui a la réponse, c'est pas ça. Le méchant qui a un. Bah oui, mais j'ai deviné dans quoi c'était. Il s'appelle Magnus. Non, pas du tout. Non. Déjà, en fait, c'est soyez pas malhonnête. Hein. Déjà, pour moi, c'est compliqué parce qu'il a eu plusieurs têtes. Oui, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Plusieurs formes. Du coup, j'ai dessiné un mec random parce que je sais plus à quoi il ressemble. Et du coup, bien ça, c'est la cabine de. Oui, mais en fait, moi, au début, je voyais un immeuble. Ouais, je comprenais aussi. Pas. Ouais. On a toujours pas regardé, même si on a dit qu'on le ferait. Docteur Who, c'est la vie. Mais alors, Docteur Who, c'est vraiment bien alors. C'est vraiment bien. Faut passer le premier côté nul. Côté nul, quoi. Non. Oui, l'auto, mais Cyril, c'est-à-dire que c'est un peu la merde là. Il y a vos abonnés qui arrivent par milliers pour vous défoncer. Eh, mais ils sont pas du tout contents par rapport à Docteur Who, là, ça va pas du tout. Ah, puis c'est marrant, ils sont habillés comme Monsieur Esclave. Non, monsieur, un négatif, hein, il est interdit de tirer sur les abonnés. Hein. On les laisse passer, on va les laisser s'exprimer. Excusez-moi. Pardon. Putain de haters. Bon, du coup, même si on sait pas pourquoi il est si méchant, le maître arrive en 7ème position. Y'a moyen. C'est bon, Thomas, tu peux regarder. Thomas. Non, pardon. Ah, j'étais perdu. J'étais loin. J'étais loin. Hein. Je vous le dis, je vous aide visuellement. Parce que c'est pas évident. Ça m'arrête de tricher. Sauron. C'est ça ? Ah oui, c'est ça. Bah ! Mais attends, j'ai juste fait les montagnes.
J'allais dessiner la tour avec l'œil. C'est pas drôle, on a même pas le temps de jouer. Mais c'est vrai. Voilà, j'aurais pu dessiner un vagin en haut d'une tour. Ah oui, c'est vrai que ça un ressemble. Un vagin autour d'une tour. C'est vrai que ça ressemble. Un petit homme vierge veut retourner déposer. Tu mais t'es en train de casser toute mon enfance. Sauron, le vagin, donc, arrive en 6ème position. Merci, Baudin. Darvador, on a dit en premier. Non, on l'a dit en premier. Non, mais bien sûr que je l'ai dit en premier, là, ça se discute même pas. Et une 2ème position pour notre ami Vador. On a bien fait de faire appel à un dessinateur professionnel, hein. Je ne suis pas professionnel. Oui, pardon. Ah, mais... Attention, ne dis pas des trucs comme ça, sinon les gens ils vont aller sur ma chaîne, ils vont faire mal, ils filment mal en fait. C'est vrai. En fait, il faut que j'aie fait un trait avant que vous... Attends, est-ce qu'on peut nous laisser 10 secondes pour que je réfléchisse à tous les grands méchants super connus? Arrête, non mais je vous... À part le Joker. Non, c'est... Quoi? C'est dit, le Joker. Le Joker. Il a pas dit. Mais non, mais parce que... Bah je donne le point à Thomas. Mais... Non. Mais tu rigoles. De toute façon, tu gagnes. De toute façon, tout à l'heure, vous proposez le Joker à chaque fois que je commence à faire un truc. Non. Il y a au moins un qui commence à proposer le Joker. C'est... Je commence à remonter la pente dans les règles de l'art. Le Joker, sans surprise, première position. Ouais. Arrête d'essayer de trouver avant, t'es chiant. Mais tu vois, en train de réfléchir, genre, c'est qui les méchants? Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Arrête de tricher. Mais je te vois lever la tête, c'est pas pour faire du coquillage. Coquillage. C'est pas pour faire du coquillage. Ça doit être du code parce que ça veut rien dire. Ouais, alors petite parenthèse, hein. J'ai fait des recherches, hein, sur coquillage, tout ça, les expressions, machin, mais j'ai rien trouvé. Moi j'ai deux hypothèses du coup. Soit Cyril est un génie, soit il y a une autre possibilité, c'est que c'est des conneries, c'est complètement des conneries. C'est ce que je vous dis, c'est un message codé. Dragon Ball Z. Putain, je sais qui c'est. Quoi, mais c'est pas une réponse. C'est cruel, comment elle s'appelle? Dans Cendrillon, c'est la méchante dans Cendrillon, elle s'appelle comment? Elle s'appelle, il y a un film qui porte son nom, ça va être un film vraiment nul. Et elle s'appelle, attends. Elle s'appelle comment cette connasse? Non, c'est Maléfique. Et c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est bien de galérer pendant 15 ans pour un truc qui est totalement faux. Déjà, j'ai fait un indice visuel. Oui, une barbe? Oui. On a jamais rien des Vikings. Le barbu? Je sais. C'est il s'appelle comment? Mais des indices! C'est voilà. Le méchant. Dans le film. Putain, je sais le film. Ah, il m'a fait rater. Mais si je dis le film, toi tu sais. Bah attends, t'as fait quoi avec Maléfique là? Eh ouais. C'est comment il va, je sais plus son nom, putain. Ah, qui s'appelle Daniel? C'est le méchant de Thor, voilà, putain. C'est Loki. Yeah, c'est lui qui a le point, je suis désolé. Je te donne le point là, comme ça, bim. Qu'est-ce qu'il y a, le Sam? C'est Thomas. C'est ce qu'on appelle faire un bide. Voilà, donc le méchant de Thor arrive en 10ème position. Voilà, un méchant qui, honnêtement, est bidon. Je suis un dieu, je dépite de créature. Je ne me laisserai pas malmener par... Le dernier. The Last. Ah, putain, c'est... C'est un cercueil. Bravo. Il est bon. Merci. Ouais, Dracula. Pas du tout. Il y a un silence, c'est une concentration. C'est clair. C'est le point de l'honneur. Alors ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Et tu sais quoi? Moi, j'aime pas les gens bizarres. Ah, merde. Est-ce que tu es en train de nous faire un rébus? Cyril a trouvé. Étant donné que je ne sais pas comment dessiner... Commence par cercueil. Maurice.
Non mais là tu reconnais là, c'est quoi? Bah c'est du riz. Mais merci. Morisson. Morisson, ah, Morisson, monsieur Morisson. Arrête, essaie de d'être sportif. Morilu. Non mais c'est pas un petit lu, mais j'essaye de... Morilisa. Un portrait? Mona Lisa? Quoi? Morilla. C'est un petit écolier. Petit écolier. Mori tableau. Le dernier objet a plus ou moins un rapport... Avec le merch, ouais, le méchant, voilà, en question. Le merchant? Le Graal. Mori tableau Graal. Non, attends, c'est pas un Graal. 2. T. Oui, T. Je le dis, hein. Non, bon. Pourquoi t'arrives pas à trouver? C'est pas... C'est, tu comprendras. Mori... Attends, on va trouver. Ah, ok. Mori l'arté. Ça veut rien dire. Moriarty. Il a trouvé avant toi. Mais t'es nul, t'aurais vu, il est nul, t'aurais vu. Si, c'est très clair. C'est très très clair, c'est très très bravo. Voilà, t'es mauvais perdant, c'est tout. Et voilà le petit dernier, Moriarty, en 8ème position. Mais dis-le donc, Thomas, tu as perdu? Oui. Et oui, et donc, grâce à une idée que j'ai eue moi-même tout seul. Dans ta tête. Oui. Eh bien, tu vas, attention, oui. Prépare-toi. Tu vas aller dans un salon de tatouage te faire tatouer un joli dessin que je vais confectionner maintenant. Vous devez plaisanter. J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante. Dans le prochain épisode de Vrac, Thomas va-t-il vraiment relever le défi? La vérité, vous le saurez en regardant le prochain épisode de Studio Vrac. Studio Vrac. En tout cas, bah, merci à vous d'avoir participé et surtout merci à toi de t'être déplacé jusqu'ici. C'était utile vu le nombre de dessins que j'ai fini. C'est ça. Si vous ne connaissiez pas, allez faire un tour sur la chaîne de Boisdin. On y parle BD, ils font des jeux et autres goudrioles. Voilà, ils rigolent, ils s'amusent, ils se rasent les cheveux et ils mettent des extraits de la classe américaine. Un peu comme nous en fait. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les filles. Non, vraiment, c'est excellent. Ils font du bon et du beau travail, donc n'hésitez pas. Sinon, annonce, nouveau sondage. Après les génériques de séries, les plus grands méchants, quel est le meilleur personnage de cartoon de tous les temps? Pour voter, vous répondez sous l'image sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag cartoon en vrac. Et s'il vous plaît, une seule réponse par proposition. Ah, sinon, monsieur esclave s'arrache les cheveux, littéralement. Tu voterais pour qui? Chut. À bientôt pour de prochaines... des aventures. Bisous. En vrac. Oh non, t'as Vous devriez la refaire en plus clair. Après moi je dis... Non, mon montage ça marche. Vous faites toujours comme ça? Ouais. D'accord, et bah c'est vrai que ça paraît clair quoi.